Je suis une femme et j'ai du caractère. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de tempérament, de caractère, de personnalité et je vais pour cela surtout m'appuyer sur les ouvrages d'Alexandre Dianine Havard. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un certain temps, vous le connaissez sûrement, j'ai déjà présenté ses livres. Sur le blog également, j'en ai déjà parlé sur femmesapart.com, hein, tous les liens sont dans la description. Et il parle beaucoup justement de tout ce qui est tempérament et caractère, et c'est ce que j'appelle du vrai développement personnel, puisque vraiment il est là pour nous aider à mieux nous connaître, à travailler sur nos défauts, à aussi savoir bien développer nos qualités, à trouver quelle est notre mission de vie sur cette terre, ce que nous avons vraiment de spécifique à apporter au monde. Donc c'est pas du développement personnel creux qui consiste à dire t'es parfaite comme t'es, surtout ne change pas, ne fais rien. Là c'est vraiment essayer de donner le meilleur de soi-même et se développer de façon positive et rayonner et donner au monde tout ce que nous avons à lui donner. Voilà pour le sujet du jour. Je l'ai déjà mentionné en fait dans plusieurs conférences notamment. D'ailleurs, si vous voulez écouter des conférences, n'hésitez pas à aller sur la playlist conférences tout simplement sur cette chaîne. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment développé entièrement ce qu'étaient les tempéraments, les caractères, comment on les distingue, quels sont les quatre tempéraments qui existent, comment savoir quel est le vôtre, etc. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Alors évidemment aujourd'hui quand on parle de caractère, souvent les femmes ont tendance à dire ouais moi je suis une femme, j'ai du caractère, mais les hommes généralement n'aiment pas ça, etc. Parce qu'en fait généralement quand on dit j'ai du caractère, c'est une excuse un peu qu'on se donne, mais surtout pour ne pas travailler sur ses défauts, pour faire accepter un petit peu toutes nos maladresses, nos méchancetés, etc. Et pour surtout ne jamais nous remettre en question. Donc tu m'étonnes, évidemment les hommes n'aiment pas ça, mais les autres femmes non plus, c'est certainement agréable pour personne. Et par contre, évidemment, il n'empêche qu'on peut être une femme et avoir vraiment du caractère dans le sens où on se connaît, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire preuve de flexibilité, de douceur, de patience, etc. Mais on peut être une femme forte, courageuse, etc., mais qui est quand même, qui fait attention aux personnes qui l'entourent et qui essayent aussi de travailler sur ses défauts et de développer aussi ses vertus, ses qualités. Et ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas dans le vent, j'allais dire. Alors bien sûr, il y a des vertus qui sont universelles, surtout si vous avez la foi, que vous êtes croyante, évidemment, il y a les vertus théologales, etc. Donc j'allais dire des vertus un peu qui sont applicables pour tous, mais justement dans les livres d'Alexandre Dianine Havard, il explique bien qu'en fait chaque tempérament a un peu ses propres défauts et ses propres qualités. Et donc il dit par exemple tel tempérament va surtout manquer de telle vertu. Donc c'est surtout telle vertu à laquelle il faut faire attention et qu'il faut essayer de développer. Ou alors attention, il y a surtout tel défaut, tel écueil dans lequel on peut tomber. Donc d'où l'importance de bien se connaître et ainsi de pouvoir travailler sur soi, j'allais dire, de façon ciblée. Et puis après, pour moi, c'est un peu comme le cycle féminin, c'est un peu comme l'impact de nos hormones, connaître toutes ces choses-là, ça nous permet finalement de mieux avancer dans la vie, je trouve, parce que en se connaissant mieux, c'est plus facile de savoir qui l'on est, où l'on va, travailler sur ses défauts, vivre peut-être plus facilement en société, mieux faire comprendre aux autres ce dont on a besoin. Parfois, je pense qu'on est un petit peu dans une spirale d'activité ou de relations humaines qui ne nous correspondent pas forcément, ou même un choix de métier ou d'emménagement à la ville, à la campagne, etc. Et en fait, on fait un petit peu les choses de façon habituelle sans vraiment y réfléchir et sans vraiment réfléchir à ce qui nous convient, à ce dont on a besoin. Alors bien sûr, ça n'est pas la même chose si vous êtes en couple, si vous êtes seul, si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas. Voilà, toutes les situations sont différentes et on ne peut pas juste décider pour soi-même en ne prenant en considération que soi. Mais en tout cas, ça peut aider de se connaître et rien que de pouvoir aussi exprimer ses besoins à son conjoint, à ses collègues, à ses amis, à son manager, parce qu'on se connaît, on sait ce qui nous convient, on sait davantage quelles sont nos limites, ce qui va nous faire mal, ce qui va nous aider à recharger nos batteries, au contraire, ce qui nous est égal, ce qui est neutre pour nous. Enfin voilà, moi je trouve que dans vraiment plein d'aspects de notre vie, ça peut être super important. La première fois que j'ai entendu parler des tempéraments et des caractères, c'était avec l'abbé Bruciani et ses conférences. Donc j'essaierai de vous trouver un lien
pour que vous puissiez acheter ces CD. Alors peut-être que maintenant c'est en MP3 aussi, je ne sais pas. Je regarderai ça, je vous mettrai un lien où il y a peut-être des articles là-dessus. Mais pour que vous puissiez écouter ses conférences, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'humour, qu'il expliquait tout super bien avec beaucoup d'exemples. Et c'est assez facile à travers sa conférence de connaître quel est notre tempérament, sachant qu'il explique bien leur origine, d'où ça vient, etc. Donc en gros, pour vous expliquer, il y a quatre grands tempéraments. Le tempérament bilieux, le tempérament colérique ou sanguin, le tempérament mélancolique et le tempérament flegmatique, avec chacun ses qualités, ses défauts, etc. Donc moi, c'est plutôt la conférence de l'abbé Bruciani qui m'avait beaucoup éclairée. Je sais qu'il existe également la possibilité de faire un test en ligne. J'essaierai de vous le retrouver pareil et de vous le mettre en barre d'infos. Mais rien qu'en lisant le livre d'Alexandre Diani Navard ou alors en écoutant les conférences de l'abbé Bruciani, voilà, normalement, ça va vous donner pardon, une petite idée de votre tempérament dominant. Puisque généralement, on a un tempérament dominant et un tempérament qui vient un petit peu seconder le deuxième. Autre chose que je voulais vous signaler aussi, on n'a pas forcément les défauts et ou les qualités de son tempérament, donc faut pas en prendre ombrage, faut pas se dire tiens, moi je suis comme ci, moi je suis comme ah bah tiens, j'ai pas les défauts là, donc ah cool, en fait je suis parfaite, je suis bien, etc. Bah c'est, en fait c'est sûrement que vous en avez d'autres. Et pareil pour les qualités, ah bah zut, moi je suis pas comme ça, donc en fait je suis peut-être pas flegmatique. Voilà, il faut aussi ce sont quatre grandes catégories, j'allais dire. Après, vous calculez combien d'êtres humains on est sur Terre. Et voilà, il faut aussi savoir jongler avec. Moi, je sais que quand j'ai écouté la conférence, je savais que c'était mon tempérament, j'en étais certaine, vu toutes les descriptions, les exemples, etc. Mais quand est venu le moment de donner les défauts, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas du tout, enfin, ça me ressemble vraiment pas du tout. J'ai d'autres défauts, mais j'ai pas ceux-là. Bon, voilà, ça peut arriver. J'ai certainement peut-être c'est les défauts, j'ai plutôt les défauts de mon tempérament secondaire, j'en sais rien. Mais voilà, il faut un peu. Il faut un petit peu regarder les choses avec recul et essayer de mieux se connaître, voilà, comme on peut, sans chercher non plus à rentrer dans des cases. Hein, le but n'est pas de dire que tout le monde est pareil et que les bilieux sont forcément comme ci, les sanguins sont forcément comme ça. C'est un peu pour donner des grandes lignes et après à chacune de travailler pour mieux se connaître, savoir où elle se situe et ensuite travailler sur son tempérament et essayer de s'améliorer. Alors, les quatre tempéraments, le colérique, donc là je reprends le livre d'Alexandre Diani Navard, Du tempérament au caractère, comment devenir un leader vertueux. Le colérique se distingue par sa réactivité momentanée, énergique et stable. Il est orienté vers l'action. Le mélancolique se distingue par sa réactivité tardive, profonde et stable. C'est l'idée qui l'occupe. Le sanguin se distingue par sa réactivité momentanée, spontanée et éphémère. Il vit de sa relation avec les personnes. Le phlegmatique se distingue par sa réactivité tardive, mesurée et éphémère. Il cherche avant tout la paix. Après, il parle aussi du fait qu'il y ait des... Un peu selon les pays, il y a aussi souvent les mêmes traits de caractère qui reviennent. Alors attendez, que voulais-je vous dire ? Après, dans son livre, il parle un petit peu des vertus, de la façon dont on peut les mettre en place. Il donne des exemples, etc. Notamment la prudence, le courage. Il donne des... à chaque fois, il parle de certaines personnalités pour expliquer un peu leur parcours de vie et comment telle ou telle vertu s'est manifestée dans leur vie. J'ai essayé de vous trouver un petit peu la page. Voilà, là, il y a la justice, la prudence, la magnanimité. Ça, il en parle très souvent dans ses livres, de la magnanimité. Il parle également de l'humilité. Alors, le colérique ou bilieux. Alors on va parler du... Il appelle ça un défi personnel. Alors ses forces, donc il est orienté vers l'action. Ses forces sont son énergie, son enthousiasme, sa force de décision. Il a confiance en lui-même, il est conscient de ses talents. C'est un entrepreneur né. Il initie de nombreux projets. C'est un manager né. Il fait avancer les choses rapidement. Il aime le pouvoir, il s'accomplit dans la compétition. Ses faiblesses. Parce que vous voyez, tout ça, c'est pas des choses mauvaises en soi.
attention à ses faiblesses. Il est enclin à la colère, à l'orgueil et à la colère. Il ne prend pas le temps de délibérer avant de décider. Il est enclin à l'activisme aveugle. Il est enclin à la confrontation et à la dictature. Il ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Dans la direction des personnes, il a du mal à respecter les sentiments des autres, à les faire grandir, à les responsabiliser et à les servir. Donc, au niveau de la prudence pour les prises de décision, ça va. Par exemple, la délibération, bon, parfois il n'aime pas demander conseil, il va un petit peu trop vite pour prendre sa décision. Le courage, donc il a beaucoup d'endurance, il est stable. L'audace, il en a aussi, il est sûr de lui-même. N'éprouve pas de difficultés particulières à pratiquer le courage. Si préalablement, il a choisi le chemin de la vérité et du bien. Attendez, je regarde juste quelque chose avant de continuer. Je voulais vérifier que j'étais dans le bon caractère. Donc on est toujours sur le bilieux, ou ce que... Alors en fait c'est l'abbé Bruciani qui appelle ça le bilieux, et Alexandre Diani Navarre, il appelle ça le colérique. Maîtrise de soi. Donc il est plein d'énergie, d'enthousiasme, il stimule plutôt ses passions nobles, mais par rapport à ses passions basses, il est prompt à l'orgueil et à la colère. Donc pour le colérique, la maîtrise de soi consiste fondamentalement à pratiquer l'humilité et la douceur. Et vous verrez, l'humilité, c'est une très belle vertu en soi, évidemment. C'est une vertu, tout simplement. C'est un pléonasme, ce que je viens de dire. Mais par exemple, d'autres tempéraments tels que le mélancolique, c'est pas sur l'humilité qu'il va devoir travailler, parce que généralement, le mélancolique, il a déjà pas confiance en lui, il se considère comme une serpillière, il a du mal à voir le positif chez lui. Donc oui, c'est pas, non pas que l'humilité soit mauvaise pour lui, mais il est déjà presque trop humble, quoi. Mais humble dans le mauvais sens du terme. Il ne se considère pas à sa juste valeur. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'une vertu est forcément est une vertu que c'est sur celle-ci que vous allez devoir travailler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour le coup, le bilieux, il peut travailler sur l'humilité. Par rapport à la justice, en fait là il fait chaque caractère par rapport aux vertus. La justice, donc pour le bien commun, le bilieux, il participe facilement à travailler au bien commun par son travail, sa vie de famille, sa vie sociale, etc. Par contre, attention, il a tendance à être conflictuel et dictatorial et à mépriser, pardon, ceux qui sont moins énergiques que lui. Bon, après on parle par rapport à l'humilité, à la magnanimité. Par exemple, Jeanne d'Arc fut une colérique humble. Elle fut un manager efficace, mais elle fut surtout un leader extraordinaire, une éducatrice et une inspiratrice de premier ordre. Elle suscita la grandeur chez ses soldats, transforma le cœur de plusieurs millions de ses concitoyens, provoqua le renouveau spirituel de toute une nation. Voilà, le colérique a surtout besoin d'humilité. Le mélancolique. Alors, le mélancolique, il est profond. C'est l'idée qui l'occupe. Donc, vous voyez, pour le bilieux, c'était l'action. Pour le mélancolique, c'est plutôt l'idée. C'est force. Il est enclin à la contemplation. Il cherche la perfection en toute chose. Il est indépendant. Il est patient et endurant. Ses faiblesses. Il a tendance à se laisser absorber par ses pensées, ses sentiments. Il craint l'action dans laquelle se manifeste irrémédiablement l'imperfection due aux limitations de la nature humaine. Il craint l'incertitude, il n'aime pas prendre de risques, il est enclin au pessimisme, il s'inquiète pour des choses sans importance, c'est un mauvais équipier, il aime faire les choses à sa manière, il se sent facilement offensé et il a tendance à critiquer les autres. Donc au niveau par exemple de la prudence pour prendre les décisions, bah, contrairement au bilieux qui parfois va trop vite, ne prend pas le temps de la délibération, bah, lui il est profond, contemplatif, voilà, il va bien prendre le temps. En revanche, il a tellement peur de l'imperfection, de prendre des risques, etc., qu'il est très indécis, je vais dire indécisionnel, non, très indécis. Voilà. Le courage, il supporte avec patience les grandes épreuves, il est naturellement constant, fidèle, persévérant. Donc il y a un côté où il est courageux, le mélancolique. Par contre, le côté où il manque un peu d'audace, parce qu'il a tendance à exagérer les difficultés, il est méfiant, trop précautionneux, etc. Et sa peur devant l'inconnu peut le paralyser. Donc le mélancolique a surtout besoin d'audace. Maîtrise de soi, voilà, il faut qu'il fasse attention au pessimisme, à l'anxiété, la tristesse, etc. Voilà, pour chaque... Je vous mettrai le lien du livre, si je ne vais pas relire à chaque fois par rapport à toutes les vertus, mais je vous laisserai le lien du livre. Alors, le sanguin. Le sanguin est spontané. Il vit de sa relation avec les personnes. Alors, ses forces. Il aime les personnes, il veut les rendre heureuses. Il est amical, compatissant, communicatif. Il est entreprenant, il aime l'aventure. Ses sens externes sont toujours en éveil. Il remarque tous les détails.
Ses faiblesses. Il a du mal à contrôler ses sens externes. Louis, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. L'amusement est un aspect très important de sa motivation. Il est enclin à la superficialité et à l'instabilité. Il est attiré par tout ce qui est nouveau. Il veut plaire, il veut que tout le monde l'aime. Alors, les décisions, plutôt faciles à prendre parce qu'il aime l'aventure, mais côté délibération, c'est plus compliqué puisqu'il a tendance à sous-estimer les difficultés et il a une tendance à la superficialité. Donc, pas toujours pratique pour prendre les bonnes décisions. Par rapport au courage, il aime l'aventure, donc il a de l'audace. En revanche, pas forcément d'endurance parce qu'il est enclin à la superficialité, à la frivolité. Il aime commencer les choses, mais il oublie facilement de les terminer. Il est instable dans ses émotions et dans ses idées. Il est mal à l'aise dans les conflits. Il veut faire plaisir à tous et être aimé de tous. Et donc, le sanguin a surtout besoin d'endurance. Là, on donne l'exemple de Saint Thomas More, qui était d'un tempérament sanguin, était souriant, blagueur, communicatif, mais il était aussi profond, constant et fidèle. Ce fut un sanguin endurant. Maîtrise de soi. Bon, il est chaleureux et généreux. Par contre, il éprouve des difficultés à contrôler ses cinq sens. Justice. Ben, il est sympathique. Donc, donner à chacun son dû. Il est sympathique, communicatif, compatissant, etc. En revanche, il a tendance à l'instabilité dans ses entreprises. Voilà, le sanguin est prompt à servir, mais pour servir véritablement et efficacement, il doit s'efforcer de pratiquer l'endurance, la stabilité, la fidélité. Donc vous voyez par exemple une personne comme un sanguin, on dit ses faiblesses, il veut plaire et il veut que tout le monde l'aime. Alors c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, avoir envie ou besoin d'être aimé, mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas notre unique moteur et surtout à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi, quel qu'en soit le prix, pour être aimé, être apprécié, etc. Ça c'est souvent le cas des femmes, mais bon, pas de toutes. Mais en tout cas, si vous êtes une femme et si vous êtes de ce tempérament plutôt sanguin, eh bien, il faut faire attention à cela. Ensuite, dernier caractère, c'est le flegmatique. Le flegmatique est mesuré. Il cherche avant tout la paix. Ses forces. Son approche de la réalité est dépassionnée et scientifique. Il sait écouter, il est empathique. Il a un sens profond du devoir et de la coopération. Il a une volonté de faire presque toujours cachée. Il est constant et persévérant. Il est difficile de lui faire perdre son calme. Pardon, je pense à quelqu'un de mon entourage qui est flegmatique et c'est tellement ça. Ses faiblesses, il nage dans le sens du courant. Il aime le statu quo. Il évite les conflits à tout prix. Vous voyez, ça c'était aussi chez le sanguin. Il a peur de se tromper. Il se sent facilement dépassé. Vous voyez, au niveau de la prudence pour la prise de décision, etc., bah, la délibération, pas de problème pour un flegmatique. En revanche, côté décision, c'est un petit peu plus compliqué. Du côté du courage, il aura de l'endurance, par contre il va manquer d'audace. Idem pour la maîtrise de soi, il se met difficilement en colère, il reste calme dans les situations tendues, etc., mais il peut être enclin à l'apathie, à la paresse aussi. La justice, il est sensible, respectueux, empathique et compréhensif. Et il a un sens profond du devoir, il coopère facilement. Mais attention, il est enclin à la passivité. Et donc en fait, le flegmatique a surtout besoin de la magnanimité. Et c'est surtout ce qu'il a besoin de travailler. Parce que sinon, il s'encroûte un peu et il n'a pas envie de bouger. Et voilà. Alors, développer la vertu qui est pour toi un défi. Le colérique a besoin d'humilité. Le mélancolique a besoin d'audace. Le sanguin a besoin d'endurance. Le flegmatique a besoin de magnanimité. Voici quelques conseils pratiques pour développer ces quatre vertus. Ce sont des conseils pour tous, car nous sommes tous appelés à fortifier nos vertus, même celles qui ne constituent pas pour nous un défi. Donc c'est ce que je disais, ce sont des vertus qui sont évidemment pour tous. Après, si vous avez tel ou tel tempérament et que vous ne savez pas par où commencer, eh bien, je vous encourage à d'abord travailler en priorité la vertu qui vous manque le plus. Donc là, il donne des conseils pour développer l'audace. Prends au cours de cette année quelques décisions audacieuses dans ta vie professionnelle, sociale, spirituelle, familiale. Ne reste pas dans ton coin, sors à la rencontre des gens, ne tarde pas à exécuter tes décisions. Pour développer l'endurance,
Supporte avec bonne humeur les contrariétés grandes et petites, joue avec les enfants même quand tu es mort de fatigue, mange ce qu'on te sert sans faire de caprices, vis héroïquement chaque instant de ta journée, termine le travail qui t'occupe actuellement malgré les difficultés réelles ou imaginaires. Je vous lis pas tout, hein, c'est pour vous donner des exemples. Développe la magnanimité. Apprends à contempler la beauté, à t'en émerveiller, à lui donner une réponse adéquate. Crée autour de toi un environnement magnanime. Sois sélectif avec Internet. Rejette ce qui est moralement douteux. Remplis ton cœur et ton intelligence de choses belles et nobles. Ne te compare à personne. Ne laisse pas passer l'occasion d'agir, etc. Développe le sens de la mission chez ceux qui t'entourent. Pour développer l'humilité, partage l'information, crée des conditions pour que d'autres puissent terminer le travail que tu as commencé. Souviens-toi, l'humilité n'est pas la vertu des faibles, mais celle des forts. Délègue ton pouvoir, non par manque de temps, mais par principe, etc. Et ensuite, dans ce livre, c'est vrai qu'il parle aussi de la mission pour laquelle nous sommes faites. Qui suis-je? Quel est le défi d'ordre culturel et social auquel je me sens appelée à répondre avec passion et détermination? Il donne évidemment des exemples historiques aussi. Pour répondre à la question « Qui suis-je ?», il faut que tu connaisses bien ton histoire et que tu la contemples. Voilà, donc là, il parle un petit peu de ça. Ton talent. Ta mission, c'est ton histoire et c'est aussi ton talent. En quoi suis-je fort? Il est difficile avant l'âge de 30 ans de bien connaître son talent. Tu as besoin d'un retour d'information sur ce que tu fais, de tes parents, de tes amis, de tes professeurs. N'oublie pas que ton tempérament est aussi ton talent. Si tu es mélancolique, tu es capable de briser le statu quo intellectuel qui t'environne et de forger quelques nouvelles idées. Si tu es colérique ou bilieux, tu es capable de lancer un projet important pour le bien de l'humanité sur la base de ces nouvelles idées. Si tu es sanguin, tu es capable de rassembler de nombreuses personnes autour de ce projet. Si tu es flegmatique, tu es capable d'apporter à ce projet une dose importante de rationalité afin qu'il soit viable à long terme. Formule ta mission. Ta mission doit être à la fois large et précise. Alors là, il donne des exemples, par exemple, Jérôme le Jeune, défendre la vérité scientifique et la grande vérité morale qui en découle, voilà ma mission. Alexandre Solzhenitsyn, pardon, je voulais être la mémoire d'un peuple victime d'une indicible tragédie. Après, lui, il raconte un petit peu quelle est sa mission, etc., comment il l'a découverte. Après, il reparle du leadership, ça je vous invite à lire parce que c'est toujours intéressant. La connaissance de soi, il reparle de certaines vertus, pourquoi servir les autres, la spirale de la croissance. Et après, c'est surtout la magnanimité et l'humilité. Ça, c'est vraiment ça revient très très souvent dans ses livres. Et il en parle beaucoup. Et au-delà de ça, le livre du tempérament en caractère d'Alexandre Navarre est vraiment un beau livre. C'est une couverture rigide avec beaucoup de très très belles illustrations. Hein, quand il dit de s'entourer de belles choses, c'est exactement ça. C'est très inspirant. Et après, si vous voulez vous aider d'un autre livre un petit peu pour découvrir, alors pas forcément découvrir votre caractère parce que ça c'était surtout dans celui que je viens de vous citer, mais dans son livre « Créer pour la grandeur », j'en ai parlé aussi dans des articles, etc. Là, il reparle de l'humilité, de la magnanimité, de ce qu'il faut faire, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses talents, prendre conscience de son talent et le multiplier, concentrer notre énergie sur notre mission, ne pas craindre l'échec, libérer son imagination, etc. Et il y a également encore un tout petit livre, alors qui n'est pas d'Alexandre Diani Navarre, qui est du père Fulton Sheen, qui était paru aux éditions, enfin collection du Laurier. Et pareil, il parle un petit peu du caractère, comment le déraciner notre amour propre, comment former notre caractère, et c'est un tout petit livret, mais qui est très intéressant aussi. Donc je vous invite vraiment à vous connaître, tout simplement, à essayer de savoir qui vous êtes, quel est votre tempérament dominant, quel est peut-être votre tempérament secondaire, comment mieux vous connaître, comment travailler sur vous, trouver votre mission de vie. Ce sont vraiment des choses très intéressantes, c'est ce que j'appelle le vrai développement personnel. On est vraiment là pour progresser et pour accomplir ce pour quoi nous sommes faits. Donc c'est pas juste tiens je vais gagner des tonnes d'argent, je veux la renommée, je veux ceci, je veux cela, non, c'est vraiment votre mission sur cette terre, ce pourquoi vous êtes faite. Dites-moi en commentaire si vous connaissez votre tempérament ou pas, si vous avez deviné le mien aussi, si vous faites le test là, que vous ne le saviez pas, mais faites le test et dites-moi un petit peu, ça serait rigolo de voir quelle est la
quels sont les tempéraments un peu qui dominent parmi mes auditeurs. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi compléter ce genre de choses par les tests MBTI par exemple. J'essaierai de vous trouver un lien si je trouve un lien pour faire le test gratuitement. Mais il y a beaucoup de tests de personnalité comme ça. Alors ça sert à rien de les multiplier à l'infini. Et voilà, mais le MBTI, c'est vrai que dans le cadre du travail, ça peut être vraiment important. Je me souviens qu'on l'avait fait, je me souviens qu'on l'avait fait en équipe. On l'avait tous fait, on avait essayé de comprendre un petit peu, de faire des exercices et tout pour essayer de déterminer qui avait quel profil, de quelle façon tel profil travaille, ce dont il a besoin, etc. Et c'est vrai que c'était assez. Moi, ça m'avait bien aidé aussi côté professionnel pour comprendre. Mais voilà, après, c'est relié aussi au caractère, au tempérament, je trouve. Mais bon, c'est un petit peu plus axé travail, j'avais trouvé. Et c'est vrai que ça permet de savoir bah, qu'est-ce qui me convient dans une équipe, qu'est-ce qui me convient moins, qu'est-ce qui m'aiderait à mieux travailler. Et puis par rapport au tempérament et au caractère, c'est un peu comme le fait de connaître son langage de l'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous enfermer dans une case et qu'il n'y a que ça qui vous plaît, le reste vous rejetez tout, mais au moins apprendre à vous connaître et pouvoir faire passer aussi le message aux autres. C'est-à-dire surtout je pense au langage de l'amour, surtout quand on est en couple par exemple, c'est vrai que c'est super important que l'autre connaisse notre langage de l'amour pour nous parler la bonne langue, tout simplement, le bon langage. Et puis Marie-Liesse en avait parlé aussi dans le podcast qu'on avait fait ensemble sur le célibat, en disant que même quand on était célibataire, c'était important de connaître son langage de l'amour, de savoir ce qui nous remplit, ce qui remplit notre réservoir, ce qui va nous faire plaisir. Ça peut être une sortie culturelle, ça peut être passer du temps toute seule, ça peut être au contraire sortir, voir des gens, etc. Et ça peut se recouper aussi avec notre tempérament. Donc je vous encourage vraiment à mieux vous connaître, à connaître quel est votre tempérament, quels sont les défauts sur lesquels vous devez travailler, quelles sont les qualités sur lesquelles vous devez miser, peut-être les qualités dont vous manquez le plus ou les écueils dans lesquels vous pouvez le plus tomber. Par exemple, le flegmatique peut facilement tomber dans la paresse, donc faisons-y attention. Je ne l'ai pas mentionné, mais je sais plus. Je crois que l'abbé Bruciani en parle dans sa conférence. Les caractères se voient assez tôt, en fait. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on enferme son enfant dans un tempérament et qu'on le met dans une case et on ne l'en fait pas sortir, mais on peut quand même voir des traits de tempérament qui se dessinent assez rapidement et ça peut être intéressant, non pas pour enfermer l'enfant dans une case, mais tout simplement pour dire, oh là là, mon enfant, en fait, il a plutôt tendance à être flegmatique. Alors déjà, ça va vous aider à la fois à le comprendre, se dire mais en fait c'est normal qu'il ait pas envie de voir des gens tout le temps, lui il va se ressourcer en étant beaucoup plus calme dans son coin, etc. par exemple. Par contre vous saurez que le côté paresseux, attention, c'est quelque chose qui peut vraiment prendre le dessus chez lui. Par exemple, un tempérament, alors autant un tempérament flegmatique qui est calme dans son coin, c'est tout à fait normal, autant si d'un coup vous avez quelqu'un de sanguin qui parle plus, qui dit rien et qui sort plus de chez lui, bon, là on peut peut-être se poser la question, est-ce que la personne va bien? Est-ce que la personne est en forme, etc. ou est-ce qu'elle est déprimée? Or qu'un flegmatique, il n'est pas déprimé, c'est juste que c'est son tempérament et il est heureux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je caricature un petit peu, mais pour vous aider un petit peu à comprendre aussi l'importance de se connaître, de connaître les autres, d'arriver à détecter. Quand on arrive à comprendre, quand on a des personnes de notre entourage, nos frères et sœurs, nos parents, les personnes avec qui vous travaillez ou en famille ou autre, ou des amis, et que vous connaissez à peu près leur caractère, ça vous permet aussi d'être bah, plus agréable pour ces personnes-là, plus arrangeante, de savoir ce qui leur correspond, ce qui va les épanouir le plus, ce qui va leur faire plaisir, etc. Donc moi je trouve ça assez important. Puis ça évite de se vexer pour certaines choses. Voilà, on comprend le fonctionnement des autres et ça évite de prendre ombrage ou de s'inquiéter outre mesure pour des choses qui en fait dépendent tout simplement du caractère de la personne. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. On est loin des podcasts un peu de développement personnel ou alors de féminisme qui font la propagande pour que les femmes aient du caractère, un sale caractère et qu'elles ne se corrigent jamais de leurs défauts. Sur cette chaîne, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer toujours de s'améliorer, de reconnaître nos qualités, mais aussi de travailler sur nos défauts, de trouver notre mission de vie pour apporter notre pierre à l'édifice et apporter quelque chose de positif à ce monde. Voilà en tout cas pour tout ce que je vous souhaite. J'ai hâte de lire vos commentaires avec vos tempéraments et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.